le col de l'Arzelier, c'est une station qui se situe entre 1150 mètres et 1600 mètres d'altitude. On y fait du ski alpin, du ski nordique, de la raquette, de la luge. Le domaine, c'est donc trois téléskis, un télésiège qui donne accès à deux pistes vertes, une piste bleue, deux pistes rouges et une piste noire. Voilà, et puis sur le ski nordique, on a 40 km aller-retour en skating alternatif. Et puis une petite voie blanche qui s'appelle la Joutoune. Donc c'est un espace qui fait 5 km où on peut y aller à la fois en raquette, en piéton, avec des skis de fond, avec une luge, des enfants. C'est voilà, une voie un petit peu accessible à tous qui peut être pris pour 2,50 € avec un jeu d'orientation dessus. Vous avez le premier forfait, c'est le forfait débutant qui est à 6 € qui donne accès aux pistes vertes. Et après, forfait adulte journée 12,50 €. Enfant 9,50 €, et puis on va avoir des forfaits demi-journée, un forfait lève-tard qui se prend de 11h à 17h. Et puis en ce moment, sur le mercredi en janvier, on a un forfait à 2 € pour tous à la journée. Donc c'est une petite journée promotionnelle, avec aussi possibilité d'un repas à la Soldanelle pour 4 €. On a deux accompagnateurs en montagne qui sont présents, donc un fait des randos raquette-raclette le vendredi soir, et puis un autre accompagnateur qui lui va proposer des sorties à la découverte des traces des animaux, des ateliers de confection de vannerie, où donc on part avec lui ramasser d'abord dans la forêt tout ce qu'il faut pour faire la vannerie, et puis ensuite il nous apprend à faire des paniers, des objets, etc. On a des activités avec les chiens samoyèdes, donc on fait de la canirando, du ski de joring, des petits tours en poulka pour les enfants, c'est une petite luge, donc qui se font aussi toute la saison et puis même l'été sur le col de l'Arzelier. Voilà, après on va accueillir quelques événements. Les prochains en date, le 5 février, on a les nocturnes du Balcon Est qui se font sur plusieurs stations de ski du Balcon Est. C'est une course de ski de fond qui est accessible à tous. Et puis, on va avoir aussi un loto terroir le 15 février. Donc voilà, en gros, pour les petites activités des prochains jours. Voilà.